Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre chronique de société sur ma chaîne YouTube. J'ai pas envie de dire chronique société aujourd'hui, j'ai envie de dire chronique religion sur ma chaîne YouTube. Alors, de quoi est-ce qu'il sera question? Il sera tout simplement question de faire une sorte de comparaison entre deux principales religions, j'ai envie de dire ça comme ça, ou bien deux systèmes de croyances. Donc, il sera question de faire une comparaison entre le catholicisme d'une part, et les traditions africaines d'autre part, et plus particulièrement ce qu'on a appelé le culte des crânes en fait. C'est-à-dire la tradition des Bamileke à l'ouest du Cameroun, en Afrique centrale, qui consiste par exemple à retirer les reliques ou bien les ossements, des défunts, de les placer dans une case et d'entretenir ces reliques-là. Et il y a toute une sorte de religion qui s'est formée donc autour de cette pratique. Voilà, donc ma question est très simple aujourd'hui, c'est parce que on se rend compte que la plupart des chrétiens, des personnes dites chrétiennes, tassent un peu, disons, le culte des crânes ou le culte des ancêtres chez les Bamileke ou bien chez les Africains comme étant de l'idolâtrie, comme étant vraiment quelque chose qui ne plaise pas à Dieu. Sauf qu'on se rend compte, par exemple, que les mêmes chrétiens, du moins pour ce qui est des catholiques, sont beaucoup versés dans ce que je peux appeler l'idolâtrie. Et ce qui est bizarre, c'est que le livre auquel ils se réfèrent pour fonder leur système de croyance, c'est la Bible. Et cette Bible, en fait, est contre tout ce qu'on peut voir comme pratique religieuse dans le système du catholicisme. Alors, donc, tout à l'heure, je vais essayer de citer quelques éléments qu'on retrouve comme piliers de la religion catholique et qui, en fait, pour moi, ne sont que de l'idolâtrie pure et simple. Alors, donc, on va commencer d'abord par citer un verset biblique, donc Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3 dit ceci: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ce qui suit est très important: « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Et le même verset poursuit en disant: tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, lorsqu'on prend Exode 20, verset 3, on se pose la question et qu'on essaie de comparer ça, de rapprocher ça de la religion catholique, on se pose la question de savoir est-ce qu'on lit la même Bible ou bien est-ce qu'on a lu la même Bible. Parce que, voyez-vous, par exemple, dans la religion catholique, on va se rendre compte que généralement, ils ont le culte des statues chez eux. C'est-à-dire que vous allez voir des paroisses où c'est plutôt... D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y a une seule église catholique dans laquelle il n'y ait pas de statue de Marie quelque part là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une statuette quelque part qui représente la Vierge Marie. En dehors de la statuette de Marie, généralement on aura la statuette de d'autres saints, par exemple Saint Joseph, Saint François d'Assise, Saint ceci, Saint ceci. Les catholiques sont tellement versés dans le culte des statues,
qu'on va se rendre compte, par exemple, qu'ils ont souvent des journées chez eux où ils vont porter la statue qui représente soi-disant un saint dans leur religion. Ils vont faire tout le tour de la ville avec leurs fidèles derrière eux et ils vont vraiment célébrer ça comme si c'était vraiment une statuette qui, je ne sais pas moi quoi, qui était vivante et tout et tout et tout. Et chaque fois que dans la religion catholique, les gars veulent implanter une statuette dans une paroisse, ça fait l'objet d'une célébration, c'est une journée spéciale, le prêtre est là, on pose peut-être la statuette derrière un pick-up, tu vas voir, ils vont se balader partout dans la ville, comme si c'était vraiment une caravane, un festival et tout, et tout, et tout. Alors, là n'est même pas le plus pire c'est que, on va se rendre compte, par exemple, je vais prendre le cas de la cathédrale qui est à Yaoundé, qui est à la poste centrale de Yaoundé. Vous allez voir un endroit où on a déposé la statuette de Marie là. Vous allez passer là-bas même en journée, vous voyez des gens qui sont agenouillés devant les statuettes. Vous allez voir des gens qui sont couchés devant ces statuettes, qui adressent des prières à ces statuettes, qui prient ces statuettes en fait. Et vous allez voir souvent des gens qui veillent là-bas parce qu'ils espèrent un miracle de la statuette. Donc, comme je l'ai dit, il est difficile d'entrer dans un milieu catholique, j'ai envie de dire ça comme ça, sans trouver au moins la statuette de Marie devant laquelle les gens se prosternent comme s'il s'agissait d'un Dieu qui va les sauver, qui va résoudre leurs problèmes, qui va renverser leur situation et tout, et tout, et tout. Et j'ai envie de me demander qui leur a mis ça dans le crâne. Alors, s'il faut faire une comparaison directe, parce que bon, chez les Bamileke, par exemple, on dit que oh, ils partent verser les sacrifices de viande au bas de ce qu'on a appelé le tuepsi, c'est-à-dire les arbres de paix ou bien les arbres de Dieu, comme ça se dit ainsi, ou bien l'autel de Dieu traditionnel parlant. J'ai envie de me demander, entre un arbre et une statuette, parce que l'arbre c'est une matière vivante en fait, l'arbre ça respire, ça a des racines, ça a des feuilles, et une statuette qui est faite, je ne sais pas moi quoi, avec du béton. Le béton, c'est de la matière morte. Alors, qui est plus idolâtre entre celui qui part verser juste des libations ou bien de la nourriture ou bien je ne sais pas moi quoi, verser des produits consommables au bas d'un arbre et qui ne se prosterne même pas au bas de cet arbre et qui utilise juste ses paroles pour faire, pour prononcer ce qu'on peut appeler des paroles de bénédiction et tout, qui est plus idolâtre donc entre celui qui verse des choses en bas d'un arbre et celui qui s'en va se prosterner devant une statuette faite avec du béton en fait, qui est plus idolâtre. Il me semble que c'est celui qui va se prosterner devant quelque chose qui n'a même pas de vie, parce que l'arbre au moins ça a de la vie. Alors que les statuettes qui sont faites en béton là, ça n'a aucune vie. On ne peut même pas actionner ça. Ok? Donc, si on s'arrête seulement sur la problématique des statuettes chez les catholiques, on va se rendre compte que les catholiques semblent plus idolâtres que ceux qu'on peut appeler les animistes. C'est-à-dire ceux qui versent de l'huile sur les crânes, ceux qui versent de l'huile en bas des arbres avec des colas, du sel et tout, et tout, et tout. Même s'il faut prendre l'exemple du crâne, par exemple, pour dire que c'est une matière morte, je pense que le crâne, à la base, est issu d'un être humain, dont le crâne est supérieur au béton, c'est-à-dire au béton qu'on fabrique les statuettes de Marie et qu'on soit avec là. Donc, j'ai envie de prendre ces deux exemples, en fait, pour prouver que s'il faut bien voir au fond, les catholiques sont plus idolâtres, en fait, que les animistes qui vont faire des libations au bas des arbres. Alors, on va aussi constater chez les catholiques qu'il y a une multitude d'images taillées. J'ai envie de dire quoi, des photos qui représentent Jésus, des photos qui représentent Marie, parfois des photos du pape,
parfois des photos d'un saint, on va peut-être dire Saint François Xavier, on va mettre une photo à l'église qui représente Saint François Xavier. Et vous allez vous rendre compte que lorsque les prêtres entrent à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils vont se prosterner soit devant une croix, soit devant la statuette de Marie, soit devant la photo d'un saint qui est accroché à l'église, ou bien la photo de Jésus ou de Marie qui est accrochée à l'église. Donc, à l'analyse de Exode 23, on peut dire que qui est idolâtre en ce moment-là? Il y a d'autres facteurs chez les catholiques. Troisième facteur chez les catholiques, il y a ce que je peux appeler les gris-gris spirituels. C'est-à-dire, chez les catholiques, par exemple, ils aiment beaucoup la croix. Je ne sais pas pourquoi. C'est difficile de voir une église catholique sans la croix. C'est difficile de voir un prêtre catholique qui ne porte pas la croix au cou. C'est difficile de voir les catholiques qui n'ont pas la croix sur leur chapelet. La croix est omniprésente dans les églises catholiques. Pour moi, c'est des gris-gris spirituels. Autre chose, il y a les chapelets. Difficile de voir un bon catholique qui prie sans avoir le chapelet. C'est comme si s'il n'y a pas le chapelet, le gars il n'a pas prié. Et donc, leur prière devient souvent des récitations, des trucs monotones, des trucs qui sont automates, c'est-à-dire que c'est comme si, bon, il faut faire ses devoirs. Donc, ce n'est pas un devoir de sincérité, en fait. Autre chose qu'on peut remarquer chez les catholiques, en fait, c'est que les catholiques ont ce qu'ils appellent la prière aux cinq. Or, on sait que, bibliquement parlant, on dit qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, et c'est Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui est dit dans leur Bible, en fait. Comment se fait-il que, d'où les catholiques viennent-ils à faire des prières, à écrire des recueils de livres de prières qui sont adressés aux saints? Et après, on va accuser, par exemple, les Bamlékés, les Africains, d'adorer leurs ancêtres, de rendre des cultes à leurs ancêtres et tout, et tout, et tout. Donc, quand je prends tout ça, il y a par exemple les exemples comme les huiles bénites, les eaux bénites, et tout, et tout, et tout, qui me font penser à des gris-gris spirituels, en fait. Donc, dans cette vidéo, mon objectif était de relever quelques éléments qui prouvent, en fait, que les catholiques et certains chrétiens qui ont les mêmes comportements que les catholiques sont plus idolâtres que les Africains qui sont attachés à leur tradition. Quand je dis les Africains qui sont attachés à leur tradition, je cite l'exemple, par exemple, des Bamlékés, puisque je ne connais pas d'autres traditions. Je cite l'exemple des Bamlékés, par exemple, qui font le culte des crânes, entre guillemets, qui font le culte des ancêtres, qui ont ce qu'on appelle l'arbre, l'autel de Dieu, qui est un arbre où ils vont faire les libations et tout et tout. Donc, voici les éléments qui prouvent, selon moi, que les catholiques sont plus idolâtres. D'abord, ils ont toujours des statuettes, soit de Marie ou d'un saint, dans leur synagogue. Et devant ces statuettes-là, les gens viennent se prosterner, ils viennent pleurer, ils viennent faire des trucs, allumer des bougies, comme si la statuette pouvait résoudre leurs problèmes. Deuxième des choses, ils ont toujours des images taillées dans leurs églises. Ça peut être les images de Jésus, de Marie, d'un saint, du pape, d'un je ne sais pas moi quoi. Devant ces images-là, ils viennent toujours se prosterner avant de commencer leur culte, généralement. Les catholiques, ils ont aussi une omniprésence de la croix dans leurs églises. Ils aiment trop prier avec le chapelet. Ils aiment accrocher le chapelet au cou. Ils aiment mettre le chapelet dans leur véhicule, comme pour dire que